Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous tourner mon book haul du mois d'août. Donc j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, étant donné qu'une de mes clientes m'a donné, je crois sans mentir, 2 gros sacs de courses remplis de livres. Rassurez-vous, je ne vais pas tout vous présenter, j'ai quand même fait le tri et j'ai du coup tout ça à vous présenter, donc ça fait une dizaine de livres. Donc je ne vais pas perdre plus de temps et c'est parti. Premier livre à vous présenter, il s'agit d'un livre de Christian Labourie, L'enfant rebelle, aux éditions France Loisirs. Donc c'est un livre qui retrace l'histoire de Raphaël. C'est un bébé qui a été abandonné par sa mère qui avait 17 ans. Elle a décidé de le laisser à un orphelinat un beau soir d'hiver et tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de son fils. Donc Raphaël, c'est un enfant qui a également été... qui a un point commun en fait avec un autre enfant de l'orphelinat, tout simplement parce que le même jour un autre enfant a été abandonné et recueilli par l'orphelinat, donc 2 enfants en une soirée. Et en fin de compte, quelques années plus tard, un couple de fermiers va adopter Raphaël. Mais ça va pas se passer comme il l'aurait voulu, ça va être des parents, ça va être un couple qui va se faire passer pour des parents assez modèles alors qu'ils ne le sont pas du tout. Raphaël va vivre une vie assez misérable, tout ce que sa mère... n'aurait pas voulu tout simplement, et quelques années encore après, les parents de Raphaël décident d'adopter le 2e enfant qui a été donné à l'orphelinat le même soir. Donc on a dans ce roman un petit côté mystérieux et suspense, parce que d'un côté on a la culpabilité des sœurs de l'orphelinat qui génère un petit côté, est-ce qu'elles savent quelque chose par rapport à ce couple de fermiers, est-ce que les 2 enfants ont un lien étant donné qu'ils ont été abandonnés le même soir et qu'ils ont été recueillis, alors qu'avec quelques années de décalage quand même, mais ils ont été recueillis par le même couple. Donc c'est tout ça qu'on va savoir dans ce livre. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je n'espère pas grand chose parce que le résumé en lui-même n'est pas forcément un résumé super mystérieux, mais je me dis pourquoi pas et puis on verra ce que ça donne. Ensuite, du coup, ma cliente m'a également donné Somerset Abbey de T.G. Brown. Donc elle m'a donné les 2 premiers tomes. Je ne sais pas si c'est une duologie ou s'il y a plusieurs tomes. Quoi qu'il arrive, du coup, j'aurai les 2 premiers. Donc ici, on va suivre Prudence. Ça se passe dans les années début 18e siècle. 19e, alors... ça se passe en 1913, pardon. Et donc on est en Angleterre, ici. Et en fait, tout simplement, Prudence, c'est l'histoire d'une fille qui a 2 sœurs et les parents de Prudence et ses sœurs vont mourir. Les 2 sœurs vont être recueillies par leur oncle, mais Prudence va être rabaissée au rang de domestique, alors qu'à la base, les 3 sœurs sont du sang noble en fin de compte. Donc Prudence va se demander pourquoi c'est la seule... de ses sœurs à être rabaissée autant. Est-ce que son oncle a une dent contre son frère? C'est la raison pour laquelle il a décidé de renier une de ses filles de la famille. Et du coup, tout simplement, Prudence va essayer de mener son enquête à savoir pourquoi son oncle la déteste tant. Et un beau jour, elle va également rencontrer un homme qui peut-être la fera changer de catégorie, de rang au niveau de la noblesse ou du domestique. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce bouquin, je sais juste que c'est une histoire qui me plaît déjà étant donné que ça se passe en Angleterre dans les années 1900. J'adore le concept de l'histoire et j'adore vraiment cette période là, donc je vais être servie et puis reste plus qu'à voir du coup ce que ça va donner en termes de trahison, de mensonges, d'histoire d'amour, voire d'amitié. Alors, donc ma cliente adore France Loisirs parce qu'ici c'est également France Loisirs. Donc c'est de Sophie McKenzie, Je ne t'oublierai pas. Alors ici on va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Jane. Cette femme en fait tout simplement a accouché d'une fille qui a disparu le jour de sa naissance. Donc elle ne sait pas si elle a été kidnappée, on ne sait pas si... si elle est morte, enfin on sait vraiment pas du tout ce qui s'est passé et en fin de compte Jane a du mal à se reconstruire bien évidemment parce qu'elle vient accoucher d'un enfant alors qu'il ne l'a plus. Son mari quelques années plus tard va se dire quand même qu'il aimerait bien avoir une famille et il pousse Jane du coup à essayer d'avoir un enfant et elle reste vraiment fixée sur son idée, elle veut absolument pas d'enfant, pour elle c'était une chance inouïe et ils n'ont pas su la saisir entre guillemets alors que ce n'était pas leur faute mais malheureusement cette fille a disparu, on ne sait pas trop comment. Et un beau jour, en fait, une femme va sonner à la porte de Jane et son mari. Elle va leur dire que leur fille, qui s'appelle Beth, je sais pas, est vivante au fait et qu'elle avait été kidnappée à la naissance. Donc forcément, la mère commence à avoir de l'espoir à nouveau. Elle va essayer de mener son enquête tant bien que mal. Et son mari va être super froid. Il va lui dire que ça ne sert à rien, que sa fille a disparu, disparue et qu'elle est forcément morte, donc lui a perdu tout espoir, il veut vraiment reconstruire sa vie, tandis que Jane essaie tout simplement d'aller de l'avant et surtout d'aller de l'avant avec sa vraie fille. Et à la même période en fait on va suivre des événements assez étranges, donc je sais pas vraiment ce qui se passe. Alors ils disent accident mortel, donc à voir ce que ça donne. Je sais que France Loisirs sont assez doués pour faire sentir les émotions par rapport aux enfants, au kidnapping, aux disparitions, à la mort d'un enfant. Donc je suis sûre que je vais avoir quand même des émotions dans ce livre. Je me demande ce que ça va donner. Et puis en tout cas j'ai hâte de lire parce que tout ce qui est disparition d'enfants, je suis fan. Me demandez pas pourquoi. Voilà, j'aime bien, donc à voir ce que ça donne. Alors, autre roman à vous présenter, il s'agit de La cuisinière de Marie Beskin, donc aux éditions France Loisirs, toujours. Ici, on va suivre l'histoire de Mary Malone. C'est une jeune femme qui est immigrée irlandaise, qui arrive à New York. Et en arrivant à New York, elle va se découvrir un petit peu un talent de cuisinière, comme le nom l'indique. Donc dans ce roman, en fait, Mary va travailler pour les maisons les plus bourgeoises. Elle va faire à manger pour beaucoup de personnes et en fin de compte elle va s'apercevoir que plus elle fait à manger pour des personnes et plus ces personnes meurent. Voilà, alors ces personnes meurent de la typhoïde, donc je ne sais pas si vous connaissez cette maladie. C'est une maladie qui se... c'est un petit peu comme une fièvre qui peut être mortelle, et elle se procure cette maladie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, elle se contracte on va dire tout simplement dans les pays en voie de développement ou les pays qui sont très peu développés, où tout ce qui est hygiène, alimentation n'est pas vraiment à 100% on va dire. Donc là ça se passe au 19e siècle, on est aux États-Unis donc c'est pas la même période que la nôtre bien évidemment. Et en fin de compte Marie n'a pas la typhoïde mais elle la donne à tous ses clients. Donc les médecins vont commencer à s'interroger sur son cas, sur son métabolisme on va dire, parce que le fait que cette femme ait un métabolisme sain on va dire de la typhoïde alors que toutes les personnes à qui elle fait à manger de long, c'est quand même assez étrange. Et Marie va devoir passer des examens mais elle ne veut absolument pas. Donc elle va être menée de force à... Où ça ? Ah oui c'est vrai, sur une île au large de Manhattan en fin de compte. Et là ça va être l'histoire de Marie qui va commencer, c'est un petit peu son histoire, voire son aventure qui va débuter. Dans le sens où c'est une femme qui est seule et malheureusement elle va être indépendante malgré peut-être sa volonté. Elle va devoir un petit peu faire face à tous les regards de ces personnes et ça va être un sujet assez récurrent dans ces années-là. Et en fin de compte, je me suis intéressée un petit peu sur la typhoïde en ayant lu la 4e de couverture parce que je ne l'avais pas eu en la prenant, en prenant ce livre à ma cliente. Et en fin de compte, Marie a bien existé. C'est une vraie femme, une personne humaine comme vous et moi. Et en fin de compte, il l'appelle bien Marie Typhoïde. Donc c'est une femme qui a tué plus d'une 50aine de personnes en faisant... Bon, je ne sais pas si on peut dire ça tuer, mais elle a fait contracter plusieurs personnes de la typhoïde et en fin de compte elle c'est un corps sain de la typhoïde. Donc c'est vrai que ça a été un sujet assez étrange à cette époque, c'est pour ça qu'elle a fait quand même pas mal d'examens ou autres parce que les médecins se demandaient pourquoi. Donc j'ai hâte de le lire parce que c'est vrai qu'au début en lisant la 4e de couverture je me suis dit bon ma foi on verra ce que c'est. En fin de compte en apprenant que c'était une histoire vraie, bah, ça m'a donné encore plus envie de lire ce livre. Donc ne pas hésiter à me le dire si jamais vous avez lu ce livre ou bien si vous avez tout simplement entendu parler de Mary Malone. Au moins j'aurai un avis étant donné que je ne l'ai jamais vu passer auparavant, donc ne pas hésiter. Toujours aux éditions France Loisirs, je vous fais découvrir cette fois Pas de berceuse pour Fanny de Sophie Anna. Donc dans ce roman on va suivre l'histoire d'Alice, c'est une jeune femme qui après une grosse épreuve, une dure épreuve de sa vie, va retrouver l'amour, elle va se marier avec un certain David. Et elle va avoir un enfant qui s'appelle Fanny. Cette femme du coup accouche, tout se passe bien et quelques semaines après l'accouchement, Alice part de la maison et laisse son bébé 2 heures tout seul. Logique. Et en rentrant à la maison, elle va s'apercevoir qu'on a échangé son bébé. Donc elle est persuadée que le bébé qui est dans le berceau n'est plus le sien. Elle va commencer à chercher partout, elle va appeler la police alors que son mari ne la croit pas du tout. Et en fin de compte, ça attire un petit peu le regard d'un agent particulièrement qui se rappelle d'Alice qui avait déjà été au commissariat de police tout simplement suite à l'assassinat de son ex-mari. Donc peut-être a-t-il un lien avec ça, on ne sait pas. Est-ce que Alice a raison? On ne sait pas non plus. L'agent de police, elle seule à la croire. Personne d'autre la croit, que ce soit ses proches, sa famille ou les autres agents. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, encore une fois j'adore les disparitions d'enfants, d'échanges ou autres. Je suis fan, donc c'est la raison pour laquelle j'ai quand même gardé pas mal de France Loisirs. Et bah, je verrai ce que ça donne en tout cas, j'espère que Calice va retrouver sa vraie fille, si c'est vraiment sa vraie fille ou autre. Je vous en dirai plus dans un update lecture une fois que j'aurai lu ce livre. Je ne vous présente plus la maison d'édition, c'est toujours la même, c'est France Loisirs. Ici on va suivre les devis d'Anna d'Hélène Le Gray. Alors, dans ce roman, on va suivre Anna, bien évidemment. Anna, c'est une jeune fille de 14 ans qui travaille en tant que paperette. C'est une jeune femme qui travaille, en fait, qui plie les bouts de papier, qui les enroule, découpage, pour faire les cigarettes, en fin de compte. Et Anna, c'est une jeune fille qui est complètement naïve, un petit peu seule. Et un beau jour, elle va rencontrer la mauvaise personne, elle va suivre le mauvais chemin, tout simplement. Elle revient des années plus tard là où elle travaillait avant pour rencontrer à nouveau ses collègues. Et en fin de compte, c'est une jeune femme qui apparaît complètement changée, super instruite, super cultivée et plus du tout naïve. Donc elle va changer énormément de choses et également elle va changer la vision des choses de toutes ses collègues en fin de compte. Donc là on est au 19e siècle à nouveau, donc je pense que c'est une époque où la femme a du mal à se... comment dire, à se développer, à être qui elle est vraiment. Et je pense que c'est un roman qui parle vraiment du moment où les femmes ont commencé à s'étendre en tant que vrais humains et à vraiment vivre de leur propre existence. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour ce roman parce que c'est vrai que c'est la première fois que je lis un roman à cette période avec un changement de situation de la femme. Je ne sais pas ce que ça va faire, j'imagine qu'une gamine de 14 ans qui revient en tant que femme complètement déterminée, ça va changer la vision des choses des hommes à cette époque, bien évidemment, puisqu'on est avant la guerre. Donc si jamais vous l'avez lu, ne pas hésiter à me le dire. Ce roman m'a attirée en tout cas parce que ça se passe dans les années que j'aime bien lire, parce que c'est vraiment une période que je ne connais pas du tout et dans laquelle nous ne vivons pas. Donc j'ai hâte de lire ce roman et puis on verra ce que ça donne. Alors on passe au roman que j'ai acheté cette fois. Ou qu'on m'a offert surtout. Il n'y en a qu'un seul que j'ai acheté dans tout mon book haul du mois d'août, donc économie bonjour. Alors je ne vous présente plus du coup cette saga, il s'agit de Faux Boss 3, donc mon copain me l'a offert, je suis super contente. Je ne sais pas quoi vous dire. Pour le résumer, allez voir mes 2 dernières vidéos, voire mes 3 dernières vidéos étant donné que j'en parle à chaque fois. J'ai hâte de lire ce roman, j'ai hâte de terminer cette saga parce que à chaque tome franchement je suis super contente de la fin, du dénouement de l'histoire. Donc ce pavé est quand même assez gros, il fait 600 pages. Je crois que les autres faisaient 400 pages, donc je pense que ça va être un beau bébé. Je vais prendre mon temps pour le lire et puis peut-être que j'aurai hâte de prendre le tome 4, qui sait. Alors, un roman que je me suis acheté, pour la première fois, le seul roman que je me suis acheté, c'est un roman d'Olivier Adam, donc La tête sous l'eau. Je pense que vous l'avez vu passer sur pas mal de chaînes. La collection R, donc Robert Laffont. Ce roman, je l'ai vu passer partout, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, sur certaines chaînes, sur certains blogs. J'ai jamais vraiment prêté attention au résumé à ce livre. La couverture m'avait énormément attirée. Et en fin de compte, je ne saurais vraiment pas comment vous résumer ce livre. Alors, la quatrième de couverture, ça parle d'un père qui sort d'un commissariat et qui prend sa fille dans ses bras. Sa fille se dit « ça y est, Léa est morte », donc on imagine que Léa c'est sa sœur. Et en fin de compte, il lui dit « non, ça y est, on l'a retrouvée ». Et il rentre à la maison. Et quand il rentre à la maison, en fait, ils s'aperçoivent seulement que en fait, ça, le cauchemar continue en quelque sorte. Et qu'en fait, ils l'ont pas vraiment retrouvée à 100%. Donc, dans cette histoire, je sais pas du tout si Léa a été kidnappée, si Léa a été perdue je ne sais pas où. Si elle a fugué et qu'ils viennent seulement de la retrouver, je sais pas ce que Léa a vécu lors de son absence. Est-ce qu'elle a disparu pendant longtemps ou pas? Je sais pas du tout. Franchement, je saurais pas vraiment comment vous résumer. Et d'un côté, le livre est tellement court que j'ai pas envie de lire en fait les résumés de ce que je vois sur ce roman. Il fait 213 pages, donc je pense qu'en une journée, ce livre, on le termine. Et puis d'un côté la couverture est super jolie, elle m'attire énormément, le résumé est assez mystérieux, on n'en dit pas trop donc c'est parfait. Donc j'ai hâte de lire ce roman et puis je vous ferai un résumé dans un update lecture, peut-être que je pourrai vous en dire un peu plus. Boucle terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite en tout cas à me lâcher un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre, une bonne rentrée à tous et on se dit à très vite pour de nouvelles lectures. Ciao ciao!